Je suis bien à la pharmacie. Verity ne saura pas la différence, pas du tout. Verity, mon cœur, j'ai quelque chose à te dire. Au fait, je suis de nouveau enceinte. Yuck, ça sent quand même les pipis. Les amis, c'est incroyable. D'être encore une fois une grande star. La période de l'année la plus magique. Bientôt le Père Noël arrivera. Oh, mais Verity aimerait bien partager ce moment avec moi. Donc je ne vais pas décorer l'arbre de Noël tout de suite, je vais attendre qu'elle rentre de l'école. La première robe de Noël de la petite mademoiselle Noël, Pia Baby Boss. C'est Baby Boss qui va distribuer les cadeaux de Noël cette année. Je suis heureuse de partager Noël avec Verity et Tia Baby Boss. Mais avant de fêter Noël, pourquoi pas faire quelques pranks surprises à Verity. D'ailleurs, hier sur mon compte Instagram, j'ai fait un story et j'ai demandé à des abonnés de me donner une idée pour un prank. Les amis, c'est bientôt la fin du deuxième confinement. J'aimerais faire des pranks sur Verity. Donc partagez vos idées de pranks avec moi. Je suis sûre qu'ils ont donné plein d'idées. Attends, je regarde. C'est toujours sympa de partager les aventures avec les abonnés. Oh, regarde toutes ces idées. Qu'est-ce qu'on dit là? Votre poisson est mort. Mais non, imagine, je dis à Verity que Darwin est mort. Oh, non, 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 ça va lui faire pleurer. Bah, c'est pas un prank, ça. C'est carrément super méchant. De faire un prank à Verity où je fais semblant de perdre ma langue. Mais comment? Quoi d'autre? Oh, Verity a été virée de l'école? Oh là là! Faire croire à Verity que je suis enceinte? Est-ce que je peux vraiment faire ça? Oh, c'est pas facile les pranks, hein? Puisque Verity, elle est super maligne. Elle sait toujours quand je fais des blagues. Est-ce qu'elle peut me croire? Attends, je vais faire une petite essaye. C'est pas très réaliste, ça. Ensuite, elle va appuyer mon ventre et elle va voir que c'est juste un coussin. Si je vais faire ce prank, je dois vraiment réfléchir à un plan beaucoup plus élaboré. Mais oui! Mais pour réussir, il me faut de l'aide. Et qui mieux que Amazon? Super, je commande. Oui, oui, bien sûr. Amazon Prime, ça va arriver tout de suite. La commande a été passée. Verity va tomber dans mon piège. Je vais gagner la guerre des pranks. Merci, waouh, c'était rapide. Bonne journée. Avec ce faux test grossesse, Verity va croire que j'attends de nouveau un bébé. Allez, je vais la chercher. Coucou. Viens. Viens. Coucou maman. Coucou mon cœur, ça va? Très bien, merci.
Vas-y, installe-toi. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Ah oui, mon cœur. C'est juste un sac vide pour faire des courses. Alors, Verity, comment était l'école? Superbe! Superbe malgré le fait que tu t'es fait mal à l'œil? Oui, ça va quand même, c'était pas grave. Mais pourquoi tu dis ça? Parce qu'il y avait un délicieux repas à midi. C'est vrai, tu es gourmande. Qu'est-ce que tu as mangé de bon? C'était du poulet avec des pommes de terre, avec des carottes, du brocoli. Plus, il me semble, oui, avec du pain à l'ail. Et le dessert, qu'est-ce que tu as mangé pour le dessert? C'était un homme de pain d'épices. Oh, un bonhomme de pain d'épices! Oh, c'est fantastique! Mais tu sais, Verity, même comme ça a l'air super bien, moi je n'aurais pas pu manger ça. Pourquoi? Parce que toute la journée j'ai eu mal au ventre. Mais pourquoi? Je ne sais pas, Verity. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis venue à la pharmacie. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Je vais parler à un médecin et voir s'il peut me prescrire quelque chose. D'accord. Je ne me sens pas très bien. J'espère que quand tu auras les médicaments nécessaires, ça ira mieux. Merci mon cœur, t'es tellement chou. Bon, j'y vais. Tu restes dans la voiture. D'accord. Parce qu'on ne peut pas aller à deux dans la pharmacie. D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu vas faire dans la voiture? Jouer sur mon téléphone. Oh là là, Verity. Je n'aurais pas dû poser la question, hein. Les amis, je suis bien à la pharmacie. Maintenant, je vais chercher un kit de grossesse pour comparer avec celui que j'ai reçu sur Amazon. Allez. Qu'est-ce que ça peut être? Il y a plein de médicaments ici. Je ne vois rien là. Qu'est-ce que c'est ici? Ah ouais, regarde. Voilà celui que j'ai commandé moi. Et voici celui du magasin. Ça ressemble, hein. En plus, il y en a deux tests. Verity ne saura pas la différence, pas du tout. C'est super. Bon, voilà, je le prends. Je peux ranger ça. Et c'était là, hein. Ouh. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait tout tomber. Le stress. Maintenant, je vais chercher un cadeau pour Verity. Je suis dans le rayon maquillage et je pense que je peux trouver quelque chose pour Verity ici. Elle adore les vernis. Donc pourquoi pas un vernis? Regarde toutes ces couleurs magnifiques. Je pense pas que Verity a celui-ci. Ce bleu foncé. C'est très joli. Wow! Et moi, j'aimerais bien essayer ce vernis mat. C'est du noir mat. Regarde mes ongles, j'ai vraiment besoin d'un vernis. Superbe! Je prends les deux. Et maintenant, on passe à la caisse. Il fait déjà très sombre dehors. Où est-ce que j'ai garé? Je dois retrouver Verity. Oh, j'espère que mon prank va marcher. Bon, on rentre vite à la maison. Et je le mets en place. La voilà. Ça va? Oh, mais ouvre la voiture! Non, tu n'as pas besoin d'aller aux toilettes maintenant. Si. Oh là là, le stress, allons-y. Non, où est-ce que j'ai mis la clé de la voiture? Oh, voilà. D'accord.
Allez, cours alors. Pourquoi tu ne vas jamais aux toilettes à l'école? Je sais pas. Vite, maman. Vite, Verity. Ne te fais pas pipi dessus, hein. Ok, on se dépêche. Ça va mieux maintenant? Oui. Regarde ce que j'ai trouvé. Il y a le Père Noël ici. Regarde. En plus, regarde ici. On prend les lettres pour le Père Noël ici. Tu as déjà ta lettre? Oui. Avec ta liste? Oui. Bon, il faut la mener ici et comme ça, ça ira chez le Père Noël. Les amis, est-ce que vous avez préparé votre lettre pour Noël? Si c'est ça, les faire un méga bisou maintenant. Alors, Chelsea, comment tu te sens maintenant? À vrai dire, Verity, je me sens toujours pas très bien. Mon ventre est un peu bizarre. Est-ce qu'ils t'ont prescrit des médicaments à la pharmacie? Oui, Verity, ils m'ont prescrit des médicaments. Au fait, j'ai eu quelque chose de très important. C'est ça. Mais pourquoi? Au fait, j'ai parlé au médecin à la pharmacie et il m'a dit de faire ce kit de grossesse. Mais pourquoi? On sait déjà que t'as pas de bébé dans le ventre. Bah, il dit que tout ce que je lui disais que j'avais, au fait, les nausées, le mal de tête, la fatigue, maux de ventre, disait qu'il fallait voir avec ce test de grossesse si je n'étais pas enceinte. Oui, bah t'es pas enceinte, on le sait très bien. Bah, je l'ai dit au médecin aussi, mais il a dit que je dois faire le test. Comment ça marche ce kit? Au fait, Verity, je dois prendre ce bâton et aller aux toilettes. Pourquoi aux toilettes? Bah, je dois faire pipi dessus. Quoi? Oui, et s'il y a une ligne, ça veut dire que je ne suis pas enceinte. Mais s'il y a deux lignes, ça veut dire que je suis enceinte. Tu veux faire pipi dessus? Oui. T'es sûre? Oui, bah c'est comme ça que ça marche. Regarde, tu fais pipi dessus, sur cette petite partie. Attends, je te montre. On va l'ouvrir. Oh, mais c'est dégoûtant, en fait. J'ai pas envie de faire pipi. Donc, voilà. J'en ai deux kits, j'ai sorti un. Non, ne sors pas l'autre. Ça, c'est au cas où j'en ai encore besoin. Donc là, je sens le kit. Tu peux l'ouvrir? Ben non, c'est pas pour toi, c'est pour moi. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Donc voilà le bâton. Pour l'instant, tu vois, il n'y a rien dessus, il n'y a rien de marqué. Je ouvre ceci et je dois faire pipi là. Ça marche? S'il y a une ligne, ça veut dire que je ne suis pas enceinte. Et s'il y a deux lignes, ça veut dire que je suis bien enceinte et qu'il y a de nouveau un cadeau dans mon ventre. Je pense qu'il n'y aura qu'une ligne. Bah, j'espère aussi, mais c'est ça qu'ils m'ont donné. Bien sûr, bien sûr. Bon, je vais faire pipi et on verra, d'accord? Ok. Tu viens? Non. Tu ne viens pas? Non. C'est quand même bizarre cette histoire de Chelsea être enceinte. C'est impossible. Je vais aller voir ce qui se passe. Chelsea! Eh oh! Chelsea! T'as bientôt fini? Un peu de patience! Dépêche-toi! Un peu de patience, suis... Dépêche-toi! Oh, allez, ouvre la porte. Chelsea,
Je vais quand même laver les mains. J'arrive, Verity. Je me lave les mains. Je suis super impatiente de savoir si elle est enceinte ou pas. C'est super bizarre tout ça. Oh! Alors? Oh là là, Verity, rappelle-moi. S'il y avait une ligne, ça voulait dire quoi? T'es pas enceinte. Et s'il y avait deux lignes? T'es enceinte. Donc là, Verity, tu veux le retourner? Oui. Non, non, pas tout de suite. Ah. On le retourne en 3, 2, 1. Non. Tourne-le. J'ai pas envie de tourner. Tourne-le. Attends. Il y a Baby Boss qui pleure là. Quoi? Attends, non, ça c'est 2, ça veut dire je ne suis pas enceinte. Maman, est-ce que tu te rappelles dans ta tête que 1, t'es pas enceinte et 2, tu es enceinte? Attends, quoi? Mais... Oui, Verity. Tu as un bébé là? Bah, apparemment, c'est pour ça... T'es une fille, un garçon? Je ne sais pas, Verity, mais tout ce que je sais, c'est que c'est pour ça que je ne me sens pas super bien. Attends, j'aurai une autre petite soeur ou petit frère. Oui, Verity. Oh, oh. Tu seras de nouveau une super grande soeur. Oh là là. Est-ce que t'es prête? Oui. T'es prête à partager ta chambre? Non. Cette fois-ci, non. Si. Non. Si. Ah non, non. Si, si, avec si. La chambre de Tiana. D'ailleurs, je te donne ça et je vais m'occuper de Baby Boss, ok? Les familles, est-ce que vous croyez vraiment à ça? Il y a vraiment deux lignes, regardez. Yuck, ça sent quand même les pipis. C'est dégoûtant. Les amis, c'est incroyable. Peut-être encore une fois une grande sœur. Oh, c'est incroyable. Oh là là. Ça va être beaucoup de pression avec deux bébés là. Oh là là. Oh, imaginez, il n'y a pas qu'un bébé là dans son ventre, mais du genre 3 ou 4. Oh là, c'est c'est juste incroyable. Au revoir les copains et les copines, si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas un pouce bleu, abonnez-vous et appuyez sur la cloche. À la prochaine fois les amis. Verity mon cœur. Ah oui, je t'avais pas vu. Tu nous entendais pas? Comment tu te sens? Bah, c'est super bien d'avoir une nouvelle petite soeur ou petit frère. Verity, je ne sais pas si je t'ai dit, mais au fait, j'ai décidé de commencer une guerre de prank. Et du coup? Bah, au fait, tu étais victime d'une prank. C'est pas vrai, il n'y a pas de cadeau dans mon ventre. Mais c'est un faux test, au fait. Je l'ai commandé sur Amazon, il n'y a pas de bébé. Mais pourtant, ça